Thank you Bienvenue de la part de la Société Royale du Canada, l'Académie nationale du Canada. La Société Royale du Canada reconnaît des intellectuels de premier plan, des universitaires, des chercheurs et des artistes, et les mobilise dans la discussion ouverte et le débat pour faire avancer les connaissances, encourager la compréhension interdisciplinaire intégrée et aborder les questions qui sont essentielles pour le Canada et les Canadiens. Pour commencer, je reconnais que la Société royale du Canada organise cet événement et que leurs bureaux sont situés, situés sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. D'un bout à l'autre du pays, nous sommes reconnaissants et nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé des peuples des Premières Nations Inuits et Métis et nous reconnaissons les nombreuses langues et les cultures que les peuples autochtones ont apportées et qui enrichissent euh, ce que beaucoup appellent l'île de la tortue. L'événement d'aujourd'hui explore les thèmes de la note de brefage de la Société royale du Canada sur la protection des conseils d'experts pour la promotion de la sécurité publique et une meilleure communication. Cette note au préfage analyse la mesure dans laquelle les chercheurs qui partagent publiquement leur ex expertise et les résultats de leurs recherches font face au harcèlement et aux menaces personnelles. L'intimidation des experts a récemment attiré l'attention des médias, mais c'est un problème qui a affecté la sécurité, le bien-être et le travail de ceux qui produisent des connaissances depuis un certain temps il y a un risque significatif non seulement aux chercheurs mais aussi au public si la menace d'intimidation empêche les chercheurs de partager leurs connaissances et leur expertise je suis wendy yuen-chun Chair de recherche du Canada 150 de l'Université Simon Fraser en Nouveaux Médias, directrice du Némérique, à l'institut des démocraties et professeur à l'école de communication, et je serai la modératrice de ce panel. J'ai le plaisir de vous présenter brièvement les panélistes. panélistes M. Wright, fellow de la Société Royale du Canada, chair George Monroe, de la littérature et la rhétorique dans le département d'anglais à l'Université University et auteur principal de la note de brefage. Howard Ramos est professeur au de sociologie à l'Université de Western et Amanda Clark est professeure associée en l'École de politique publique et l'administration à l'Université de Carton. Et malheureusement, notre co-auteur, le docteur Matthew Herder, a été obligé de se retirer pour des raisons personnelles. Donc d'abord, nous allons entendre le docteur la Dr. Wright en tant qu'auteur principal de la note, suivi par docteur Ramos et Clark, et après, cela permettra d'ouvrir la conversation à une séance de questions du public. Pour participer à la Question-réponse. Veuillez soumettre votre question via la fonctionnalité Q&R en bas de votre écran. Si vous souhaitez participer à la conversation en ligne ou en savoir plus sur les événements et la note préfage de la SRC, suivez la SRC sur Twitter au majuscule R majuscule T majuscule A Académie. La poignée a également était incluse sur le dispositif PowerPoint. Alors, tournons-nous vers le docteur, le docteur Wright, l'auteur principal de la note. Merci Wendy et merci à la Société Royale du Canada pour avoir accueilli cette discussion et de soutenir ce type de travail au profit des Canadiens. Notre note de préface répond à l'augmentation préoccupante de la garde de l'intimidation des chercheurs qui parlent de leur expertise dans le domaine public. Nos sept recommandations sont pour faire équilibrer les trois objectifs la sécurité des chercheurs, renforcer la communication sur les recherches et le recueillir des informations supplémentaires pour faire avancer les deux premiers objectifs. En tant que spécialiste de la littérature qui travaille également en études J'aimerais prendre quelques minutes aujourd'hui pour réfléchir aux communications de recherche en termes des de principes sur lesquels nous communiquons, dans des moyens euh, reconnaissables et efficaces. Une préoccupation particulière dans notre rapport s'agit sur ce qu'on appelle la mobilisation des connaissances, c'est-à-dire le pousser les savoirs envers les publics non académiques. Il est possible que les agences de recherche nous demandent d'évaluer un public non universitaire en termes de chiffres. Combien de personnes viennent à une conférence? Combien de téléchargements? De retweets? Visiteurs du site web, il existe des stratégies conventionnelles pour faire grimper des chiffres et deux voies communes sont d'obtenir l'attention et avoir une histoire. Avoir une histoire, comme dans les conteurs d'histoire courts, par exemple, s'éloigne des conseils d'affaires pour raconter une histoire. L'histoire, comme ici dans le Harvard Business Review, l'examen où il y a explicitement à distinguer de l'objet de la recherche ce qu'ils appellent toutes les choses rationnelles. Les spécialistes de la littérature travaillent bien évidemment sur les histoires et pour nous, cette idée de l'histoire. Est beaucoup plus difficile et complexe. Nous travaillons également sur les idées euh, de l'attention. John Gillery a parlé de la différence entre lecture en tant que jeu et lecture comme travail, par exemple, des différents types et intensités d'intention. Mais beaucoup d'attention n'est pas. N'est pas porté sur la concentration, mais sur la distraction. La radio de choc des années 80, la littérature sur les anti-héros violents comme American Psycho et les portes de célébrités, ils sont tous attirés, euh, l'attention, l'intention en étant surprenant avec des points bonus pour être assez controversés pour obtenir plus d'attention sur le biais de boycott et des articles dans les actualités. Retourner à la radio de choc et les comédiens des années 80, misogynie, racisme, polarisation politique, ils étaient tous là. Ce n'était pas Lenny Bruce ou George Carlin en train de défier euh, la sur les politiques dans les décennies précédentes, mais ils étaient là aussi scandaleux. Sam Kennison a plus ou moins crié, et je ne pense pas que quelqu'un soit très clair sur le fait qu'il exprimait l'impuissance de la rage des hommes blancs ou ça s'attire. Ça, ça, ça les jocks a fait un modèle euh, pour former un discours qui a fait la transition vers les réseaux sociaux. C'est fait en douceur, hein, où ces types d'attentes violentes sont très trop fréquents. Ces célébrités étaient alignées avec le droit euh, politique, la droite politique aux États-Unis quand Reagan a été le président, et les conversations. Devenait moins fiscal et beaucoup plus intolérant. Et ils étaient très en vue, tout comme l'Internet a commencé à prendre son essor en tant que plateforme sociale. Nous vivons maintenant dans une ère de conception de site web qui est centrée sur le fait de nous amener sur un site et de nous garder sur place le plus longtemps possible. Il y a des caractéristiques de conception qui nous obligent à attendre et répondre, comme prolonger, prolonger un ranking des 20 aliments plus bénéfiques plus bénéfique jusqu'à 20 pages, pleines de publicités pour qu'il faut défiler et cliquer sur suivant. Attendez qu'il soit chargé. Faites défiler. Cliquez. Ensuite, c'est comme écouter le cri de Sam Kinnison. Il n'y a presque pas de contenu informatif, juste une stratégie pour tenir notre attention. Donc, quand nous parlons d'obtenir plus d'attention euh, pour la recherche, que font exactement, euh, qu'est-ce que nous voulons faire euh, dire en fait? Parce que lorsque nous demandons au public de payer l'attention à notre travail, nous demandons leur temps. Et il n'y a pas grand-chose de plus précieux euh, que notre temps. Quand nous exigeons que, le, que les chercheurs obtiennent l'attention afin d'éteindre les exigences de financement de la recherche, elles des sites de piège à clics qui attirent sur le temps gens, des gens afin d'obtenir l'argent dans les universités. Le fait que nous le faisons dans le but de la connaissance efface-t-elle les problèmes avec elle ou en d'autres termes, nous ne renforçons pas les stratégies de marketing conçues pour capter l'attention des gens et de le vendre lorsque nous nous engageons dans des comportements similaires. Et si oui, si oui risquons-nous de subir les mêmes effets négatifs? Ce sont des questions que nous devons explorer plus à fond avec les universitaires de la communication les spécialistes à la culture dans la Chambre lorsque nous faisons de recommandations dans notre notre L'autre stratégie que j'entends souvent est de raconter une histoire. On m'a dit souvent de raconter une histoire, d'augmenter le soutien de ma faculté pour trouver des donateurs pour des programmes d'études supérieures et rédiger la candidature de quelqu'un pour un prix. Mais cette phrase est une simple Simplicité trompeuse. Ce qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas une histoire tragique, ils ne veulent pas d'histoire absurde, et ils ne veulent pas d'histoire de satire, de comédie burlesque, ou de la science-fiction, ou d'apocalypse. Ce qu'ils veulent, c'est une histoire très spécifique. Quelqu'un des neuro qui voit un problème dans le monde et que ce pas contre l'adversité est réussi. C'est le monomythe de Joseph Campbell et il est beaucoup dans le Hollywood de scénaristes. George Lucas l'a utilisé pour les guerres des étoiles. Il est partout. Mais a-t-il sa place dans des comptes rendus de recherche? Cela renforce le mythe du scientifique héros, le génie solitaire qui voit et c'est mieux que les autres. Mais ce n'est pas conformément, fonc comment fonctionne la recherche. Elle est intensément collaborative à chaque étape, y compris la révision par des pairs. Notre bref, note brefage, par exemple, de 5 hauteurs de 4 sans Mathieu, nous avons cité les travaux d'un centaine d'auteurs dans une douzaine de documents institutionnels ou d'agences. Le briefing a été revu par trois pairs et un contrôle d'examen par les pairs. C'était aussi examiné par un certain nombre d'autres personnes avant d'être publié, y compris le président de la Société royale du Canada. Ce sont les vraies mesures de savoir. Un pièce de savoir est construit à partir du travail de des dizaines, des centaines, voire des milliers de chercheurs. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, la désinformation s'appuie souvent sur le monomythe de Campbell, aussi. Le héros qui voit un problème dans le monde se heurte à des forces puissantes qui veulent maintenir le problème, mais à la solution qui nous sauvera. C'est le programme électoral de Trump, en résumé. Hein. Mais ce n'est qu'un seul type d'histoire. Au lieu de la légende de Galilée euh, qui t'a fait euh, défier à l'Inquisition parce qu'il avait raison et eux ils, a, eux, ils avaient tort, une histoire commune que nous entendons, nous devons nous souvenir de Newton qui a écrit Et si j'ai vu plus loin que d'autres, c'est parce que je me tenais sur les épaules de géants. En général, on parle de géants c'est sur les épaules des géants, mais moi, euh, je veux dire, nous allons prendre une pause et apprécions l'importance de cette phrase « et si ». Nous ne savons pas si nous avons vu plus loin jusqu'à ce que notre travail soit discuté, examiné, évalué. Les chercheurs ne sont pas des héros et nous ne, ne changeons pas tout faisant en faisant juste notre travail, nous travaillons et nous vivons dans cet espace de ce « et si ». Mon point est le plus important ici qui est des types d'histoire que nous racontons, l'intrigue, le but, les, ob les obstacles, euh, en des informations au-delà du contenu. Le genre d'histoire du fonctionnement qui vient dans le marketing pour vendre quelque chose peut ne pas être dans l'intérêt public ou comme l'a appelé dans l'article, rationnel. Encadrer les recherches dans le but d'obtenir plus de clics plutôt que de l'expliquer peut se retourner contre nous et soutenir la désinfo désinformation. Comme nous le suggérons dans notre exposé de politique générale, dans notre préface, nous, nous devons réfléchir profondément à la façon dont nous faisons le travail important de partage euh, de la recherche avec le Public. Merci, merci beaucoup. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter Dr. Ramos. Merci. Au cours des deux dernières décennies, les universités et ceux qui les financent ont de plus en plus encouragé les universitaires de s'engager dans la mobilisation des connaissances et la vulgarisation des connaissances. En soi, c'est sans doute une bonne chose car les universitaires sont impartiaux et des experts indépendants qui offrent leur point de vue qui échappent à d'autres secteurs. Le secteur privé, par exemple, est souvent engagé dans les questions avec un certain degré de l'intérêt personnel et de la recherche du profit le secteur public fera de même dans l'intérêt de la protection de l'État, le secteur des ONG peut s'engager sur des questions dans un programme chargé de valeurs ou un programme activiste. Les universitaires travaillent avec des personnes de chacun de ces secteurs et la force de leurs idées sont pour les équilibrer et offrir des conseils sur la base d'une expertise approfondie et de preuves. Un secteur universitaire dynamique qui s'engage le public est une composante essentielle d'une société saine et, de, et et est essentiel pour protéger la démocratie en même temps que les universitaires sont de plus en plus encouragés à s'engager des audiences publiques, les la plus larges et des travaux euh, en dehors de la soi-disant euh, travailler en dehors de la soi-disant tour d'ivoire, le contexte social et public a également radicalement changé à bien des égards, cela a été lié à une évolution technologique rapide et provendes. Qui est, venu, qui est venu avec les réseaux sociaux, euh, l'Internet et les autres technologies en ligne, c'est-à-dire les outils et les forums pour faire participer le public et accéder? La recherche a, euh, a été décalée, euh, le cycle des tensions aussi, qui est de plus en plus insatiable dans son appétit à, à titre d'information, qui a désormais un large portée et un cycle des informations d'une durée de 24 heures. Avec l'Internet et les réseaux sociaux, nous ne, nous ne pouvons plus simplement s'engager notre communauté locale, mais plutôt toute personne qui parle la même, comme, même langue comme nous et utilise les mêmes applications et les mêmes plateformes et sur n'importe quel fuseau horaire dans le monde. Les universitaires ont également uh, vu le cycle académique changer avec un accent uh, mis sur les données ouvertes, la science ouverte et les publications à vente, épinglage, et ont ressenti le besoin d'utiliser des services sociaux, uh, médias, ou les réseaux sociaux pour se faire connaître et faire connaître euh, leurs recherche dans la quête de la connaissance, euh, de mobilisation des connaissances, et pour soi de plus en plus qu'ils doivent le faire, plutôt que de le considérer comme une valeur ajoutée le travail volontaire. En même temps, que l'évolution technologique des cycles, l'actualité qui modifie les cycles universitaires et le changement social a fait que le monde voit de plus en plus d'informations contestées. Nous entendons parler de fausses nouvelles, de faux faits, de fausses recherches, et les universitaires rivalisent avec des bots concurrencés, avec le citoyen messieurs ou madame tout le monde et d'autres chercheurs pour faire sortir l'information. Ils sont également de plus en plus sollicités par des journalistes à faire et les médias à commenter euh, histoire, sur les histoires pressantes et les questions pressantes avec, avant que le travail évalué par les pairs ne soit publié et on leur demande souvent de commenter en temps réel avec une science qui est souvent assez début et toujours contestée. De plus, bien que l'attente perçue en s'attende à ce que les experts soient présents en même temps, les experts peuvent euh, dire des choses que les gens ne euh, ne, pas, ne veulent pas entendre. Nous pouvons le constater, par exemple, lors de la pandémie, où les chercheurs ont rapidement pivoté leur travail pour aborder des questions autour de la COVID-19. Et nous avons vu le processus du débat scientifique se dérouler sous les yeux du public, en, euh, avec des moyens qui sont, euh, j'ose dire, utiliser le cliché des deux dernières années sans précédent. Cela signifie que le public a vu la modification des faits, la contestation des faits, à travers un certain nombre de sources et peu d'espace d'information duquel on aurait pu fait de tri ou qui auraient passé au crible afin que nous ayons euh, un gestionnaire de nos informations. Le résultat a été une méfiance envers chercheurs, les chercheurs scientifiques et institutions. Dans son ensemble, est un, défi, est un défi pour ouvrir la science et la démocratie. Il peut être vu, par exemple, dans la baromètre de la confiance Etonman du Canada pour l'année 2021, qui montre que les experts universitaires avaient un pourcentage de 6 points de baisse au niveau euh, de confiance que les gens ont envers eux. On peut observer également ce phénomène dans d'autres secteurs avec experts techniques représentants des ONG et les journalistes aussi, mais avec des niveaux de déclin plus faibles. Cela s'explique en partie par le fait que la confiance a déjà diminué dans certains de ces secteurs. Malheureusement, la technologie, même qui a permis de faciliter l'accès à un plus grand public et de le faire en temps réel, a également changé la facilité avec laquelle il est possible de harceler, intimider et menacer les experts. Ceux qui s'expriment publiquement ont été confrontés par des réactions violentes. Et ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est l'échelle à laquelle il se produit et combien il est facile de harceler les gens sur tant de plateformes différentes. Elle s'est institutionnalisée et les harceleurs peuvent être, les, peuvent être les, les bots ou des personnes depuis n'importe quel endroit du monde. Une réalité encore plus malheureuse est que les chercheurs qui sont des femmes, avec ceux qui sont des peuples autochtones ou les personnes de couleur, sont souvent les plus susceptibles de, euh, de faire face au harcèlement le plus dur, qui est souvent de nature misogène et raciste. Il est devenu beaucoup plus facile pour que les gens se plaignent ou harcèlent d'une manière qui est plus personnelle qu'elle ne l'aurait été il y a un ou deux décennies. Les universités et les chercheurs rendent leurs sites Web de photos et profils et toutes sortes d'informations accessibles au public. Les choses sont devenues si mauvaises que nous avons vu des associations de médecins ou journalistes publier des déclarations dans leur défense. Il est malheureusement temps que nous fassions de même. Euh, de même, en défense des chercheurs universitaires et les experts aussi. Voilà pourquoi nous avons travaillé sur ce rapport. De bien, de façon, nous documentons les problèmes que les gens connaissent depuis un certain temps, mais n'ont pas nommé publiquement ou euh, à un niveau national. Notre rapport montre qu'il est temps d'agir et le temps de prendre des contre-mesures pour veiller à ce que les chercheurs soient soutenus dans leur engagement public. Si nous ne garantissons qu'il y ait une capacité d'engager le public de façon sécuritaire, nous sommes confrontés à une pinte glaissante et un brouillard d'informations. En même temps que nous agissons, il y a un rôle à jouer pour les gouvernements fédéral fédéraux et provinciaux, les universités, le secteur, les secteurs des médias, les universitaires, les chercheurs ainsi que le grand public. Nous pensons que les experts jouent un rôle essentiel dans notre société. et Nous devons s'assurer qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. Ce n'est qu'alors que nous pourrons avoir une véritable et une société ouverte. Merci. Merci beaucoup, docteur Ramos. J'ai le plaisir de m'adresser au docteur Clark. Je rappelle à tous les membres du public que nous irons à une question-réponse après. Donc si vous souhaitez participer, veuillez n'oubliez pas de soumettre votre question dans la fonction de QR au bas de l'écran. Merci beaucoup. Donc, nous, avons beaucoup, euh, nous avons exposé le problème. Je vais utiliser mon temps aujourd'hui pour exposer nos pro solutions proposées comme détaillées dans le, rapport, dans le rapport. Avant de se lancer dans ces recommandations, une note sur le portée. Nous ne présentons pas dans le rapport d'offrir des solutions aux grands euh, défis persistants euh, et au sein, au sein desquels les attaques contre les chercheurs érudits sont situées comme par exemple l'influence déformative et le rôle largement irresponsable des plateformes numériques privées et des réseaux sociaux dans la vie politique le racisme et la misogynie euh, systémique, systémique les mécontentements du capitalisme tardif ou la diminution de la confiance de la société en l'État et les institutions collectives évidemment si nous nous sommes attaqués à ces choses cela aurait été un rapport trop plus très complet et probablement quelque chose que nous voudrions tous dépenser un certain temps avec. Au-delà de cela, au lieu de cela, nous avons fait ce qui était concentré vraiment sur les enjeux aigus aigu et ce, qui est ce que nous considérons comme des défis qui pourraient être, être résolus dans le court terme avec les leviers que nous avons à notre disposition dans quelques institutions clés. Donc nous reconnaissons qu'encore une fois qu'il y a un, ce besoin pressant de prendre une action immédiate pour gérer ces menaces et créer des conditions dans lesquelles le savoir public engage Peut s'épanouir sans que les chercheurs individuels soient attaqués ou faits à se sentir de l'insécurité. Nos recommandations portent donc sur les trois acteurs essentiels. D'abord, nous nous concentrons sur les organismes de financement de la recherche, en particulier le groupe consultatif des trois conseils. Nous nous concentrons sur le gouvernement fédéral en tant que notre deuxième cible principale et parce que c'est le niveau de gouvernement qui a la responsabilité pan-canadienne de la recherche et de l'innovation. Et nous notons également que certaines de nos recommandations ciblées sur le gouvernement fédéral pourrait toujours s'appliquer à les provinces également. Et notre troisième cible principale est le secteur post-secondaire. Donc se concentrer sur les leviers et les pouvoirs de ces secteurs, ces acteurs, nous présentons sept recommandations qui sont regroupées en trois catégories. Dans l'intérêt du temps, je vais mettre en évidence quelques-uns quelques de nos recommandations spécifiques au sein de chacune de ces, des trois thèmes que nous mettons en évidence dans nos rapports. Donc la première série de recommandations est vrai, a vraiment, euh, se concentre vraiment sur le collecte et la mesure des informations et afin que nous puissions en générer une image plus riche de cet enjeu. Comme l'a noté Howard, nous savions tous que ce problème existait et nous voyons ces exemples de temps en temps dans les médias, euh, que nous avons peut-être un collègue qui a l'expérience, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment comprendre la portée, l'échelle et la dynamique particulière de ce problème. Et c'est là que la mesure devient utile. Il n'y a pas vraiment de moyen systématique euh, en, euh, en ce moment euh, pour identifier et surveiller les menaces qui sont posées au et nous, nous reconnaissons également que dans de nombreux cas, ces menaces euh, sont vécues à un niveau très privé dans un courriel, dans un message privé, sur Twitter par exemple, et aussi par des chercheurs qui peuvent manquer les connaissances, des ressources ou franchement la place émotionnelle s'ils sont, euh, ils sont euh, harcelés ou menacés pour dénoncer cette activité et de le rendre public. C'est dans cet esprit que nous faisons appel à Statistique Canada de mettre en œuvre des vagues de suivi et d'élargir l'enquête sur les professeurs et chercheurs de l'enseignement pour secondaire afin que nous puissions collecter les données sur l'harcèlement, l'intimidation et d'autres menaces extérieures aux universités et d'autres institutions. Nous demandons également au de gouvernement fédéral d'initier en collaboration avec le comité, de, le comité de la coordination de la recherche au Canada et d'autres agences concernées, une approche coordonnée de la collecte des informations sur les menaces en ligne et le harcèlement, le harcèlement dans tous les secteurs. Donc, en passant à la deuxième série de recommandations que nous faisons, que nous faisons passer de, euh, pas de mesures à une question plus profonde, à mon avis, à une question plus existentielle sur comment nous encadrons les communications de la recherche publique. Et donc. Julia nous a guidés avec des bonnes idées. Sous cet ensemble de recommandations, nous suggérons tout d'abord que les trois organismes créent un groupe de travail multidisciplinaire pour mettre au point un système plus robuste, concret et, 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 et nuancé euh, dans le cadre de la mobilisa mobilisation de connaissances. Dans la préparation de ce rapport, c'était remarquable euh, qu'un tel cadre n'existait pas vraiment au Canada. Hein. Nous n'avons pas vu euh, non plus des conversations critiques, ouvertes et réfléchies sur les objectifs et les résultats attendus de la mobilisation des connaissances académiques. Hein. Et ce, malgré que cela constitue une facette prioritaire des évaluations, des demandes pour des subventions et d'autres évaluations professionnelles au milieu universitaire aujourd'hui. Hein. Donc cette recommandation nous aiderait vraiment à mettre en place ce travail important. En entrant dans certains des points que Julia a discutés, hein, cela pourrait nous obliger à examiner comment nous pouvons avoir avec en quelque sorte inconsciemment, de manière incrémentale et certainement sans que la discussion ouverte ait été euh, à certaines idées euh, sur ce qui, ce qui est une bonne engagement du public et une bonne mobilisation des connaissances. Et si nous scrutons vraiment cela, dans beaucoup de cas, nous tirons des idées sur une sorte de mobilisation des connaissances précieuses à, à, à partir du monde du marketing et de la communication qui ne sont probablement pas euh, les plus robustes des lieux vers lesquels se tourner lorsqu'on pense à comment encourager la collaboration respectueuse, l'apprentissage par l'écoute et le corps productif à travers différents Perspective. Au lieu de cela, le monde de la communication et le marketing a une tendance à se concentrer sur une sorte de euh, récit sensationnel et simpliste, comme Julia a indiqué. Il existe d'autres traditions dans le monde universitaire hein, que nous pourrions utiliser pour réfléchir à quoi ressemble une bonne mobilisation des connaissances. Un exemple, serait euh, le mouvement de la science ouverte ou la recherche engagée par la communauté. Et ces, ces, ces traditions sont généralement racinées beaucoup plus sur les valeurs de l'humilité, la collaboration et certainement s'attarder sur ce genre de déclaration. Et si que Julia a débuté avec l'idée que nous ne présumons pas d'avoir toutes les connaissances et que nous savons que la connaissance est par nature coproduite et éternellement, éternellement ouverte à la contestation. Et ça pourrait être un espace très riche pour commencer à réfléchir à la mobilisation des connaissances par obsession à des guerres de mots sur Twitter. Notre troisième série de recommandations est axée sur le besoin de plus de médias et potentiellement la chose la plus difficile, la plus facile à atteindre qui fournit des mécanismes de soutien direct et clair pour les chercheurs qui sont ainsi menacés. Quand nous regardons à travers des établissements d'enseignement postsecondaire, nous ne voyons pas des politiques ou des actions facilement accessibles ou des plans d'action pour soutenir les académiques qui sont harcelés, menacés ou intimidés. Et cela semble être un problème très flagrant et un écart problématique qui peut être résolu avec assez peu d'efforts. Nous suggérons donc que les établissements d'enseignement postsecondaire peut-être, dans la collaboration pour partager ce travail, pourrait produire les points d'action clairs et accessibles pour vers, les, euh, vers lesquels les chercheurs pourraient se tourner pour savoir qu'ils doivent appeler telle personne euh, dans le cas où il soit euh, menacé. D'équiper la police du campus, les forces de la police locale si elles, si elles doivent être impliquées euh, dans les services informatiques euh, pour qu'il y ait une prise de conscience de ce qui peut être fait pour protéger les étudiants lorsqu'ils font l'objet <coughs> de ce genre de menaces et d harcèlement. de harcèlement. Merci. Merci beaucoup, Dr Clark. Alors, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le questions et réponses hein, car nous sommes afin pour vous donner du temps et de commencer la conversation, j'ai beaucoup de questions. Et comme vous pouvez le voir, c'était un. <laughs> Vous verrez pourquoi c'était une telle joie de collaborer avec tous les membres de ce panel à propos de, de ce, ce cette note de brefage. Donc, ma question euh, porte sur la pandémie. Comme Julia, vous vous avez souligné qu'il y a un contexte historique plus large pour que pour cela. Et Amanda, vous avez également indiqué les recommandations relatives à ce à cette histoire. Mais Howard, vous avez également souligné qu'il y avait quelque chose à propos de la pandémie qui a semblé changer le point de vue des experts. Hein. Donc vous pensez tous que quelque chose est arrivé en raison de la pandémie ou, que, ou de, euh, à cause de la réponse à la pandémie et faut-il s'en inquiéter sur les changements qui ont eu lieu? Dois-je y aller en premier? Je pense que c'est vraiment une question fascinante. Hein? Et nous sommes toujours dans cet espace de ce nouveau tonique. Si, si, si nous sommes toujours en attendant de voir comment tout cela se passe, va s'accouer euh, en période de pandémie, on voit beaucoup de d'incertitude et les gens veulent des informations et parce qu'ils ont voulu euh, s'informer ils se sont tournés vers de diverses sources et ces, ces différentes sources ont été universitaires ainsi que moins soigneusement hein, euh certains types d'expertise euh, moins, moins soigneusement construites. Et donc je pense qu'il y a eu une générale euh, fin d'information et c'est assez intéressant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que les gens... Euh, euh, je veux juste me distraire et certainement il y a beaucoup de consommation dans les médias, etc. Mais de suite, il y a aussi cette soif d'information. Et autant que nous avons beaucoup parlé euh, dans les médias euh, d'informations sur la désinformation et les gens qui se font de fausses idées, des mauvaises sources. Je pense que c'est néanmoins un moment très intéressant pour que nous réfléchissions à l'éducation, quelque chose qui n'est pas fini, hein, comme quelque chose qui se termine lorsque vous obtenez une pièce de papier, une feuille de papier, un diplôme ou une école secondaire, mais quelque chose qui est en continu, qu'on continue, hein, continue d'être curieux, de souhaiter apprendre et à trouver dans le monde. Donc je pense que c'est potentiellement un mouvement très positif, mais en ce moment, bien sûr, nous voyons principalement des effets néfastes de cette incertitude qui conduit les gens sur les mauvais chemins. Hein. Je suis d'accord avec ce qu'il dit Julia, et je pense qu'il y a quelque chose, certaines choses qui sont un peu uniques à la, ces dernières deux années. Hein. Certaines choses qui sont uniques, je signifie que nous sommes tous devenus des chaises, des épidémiologues depuis le salon. Hein et d'essayer d'apprendre des informations mais en faisant cela nous avons aussi appris que la science est désordonnée et que la science a débattu hein, et débattu et je pense que lorsque les choses sont désordonnées et avoir un débat c'est très facile pour que les gens commencent à perdre confiance en disant que mais quelle est la vraie réponse et la réalité, c'est juste que la science passe par le consensus et l'examen par les pairs, et ce processus est long. Hein. Et, et donc, nous avons euh, été dans une fenêtre très précise où les gens sont, ont, ont, ont cherché des informations très rapidement. Euh, faire face à un processus désordonné, hein, c'est pas. Je sais pas quoi, il y a deux ans maintenant euh, qu'on a passé, ça peut faire une différence. Hein. Euh, C'était plus un peu. On ne savait pas qu'en mars 2020, et je crois que ça fait partie de ce qui est lié avec euh, certains de ces changements. Et l'autre partie, c'est qu'on voit des algorithmes, une influence algorithmique en termes de deux ans d'être collés devant nos ordinateurs et peut-être avoir des chambres déco à hein, donner nos propres idées. Ouais, je veux dire, partie, c'est que comme beaucoup de choses pendant la pandémie, des questions qui étaient déjà en train de bouillonner ou qui étaient en quelque sorte pas dans le limelight, hein. ils ont été euh, exposés et amplifiés et donc la manque, euh, la perte de confiance dans l'expertise et quelque sorte des institutions traditionnelles, dans le gouvernement et dans l'expertise comme une sorte de concept, hein. un point, c'est vraiment un, un point de départ dangereux pour une pandémie qui repose sur une sorte de une acceptance collective par rapport aux euh, les limitations et restrictions sur la liberté générale. Hein. C'est pour cela que des sociétés qui ont un grand niveau, niveau de confiance sont beaucoup mieux hein, dans un pandémie parce qu'ils étaient préparés à, à faire des choses et des mandats, des vaccins. Ils acceptaient euh, des dictats, des gouvernements sur la restriction des mouvements. Et donc, j'espère que l'une des choses que nous pourrions... Euh, euh, retenir de cela, c'est qu'il faut faire le dur travail avec l'alphabétisation civique, la confiance dans le collectif des institutions afin que nous soyons mieux placés, afin de euh, ou équipés de, de se faire face à la prochaine crise existentielle, à euh, bonjour euh, le changement climatique. Euh, donc, bien évidemment, la pandémie représente un moment euh, critique. Et je crois que le science euh, débutant est Focaliser sur, apprendre sur cette possibilité d'avoir une société plus robuste et plus plurielle. Parce que qu là qu là ce qu'appelise sur là-dessus, l'autre côté qu'appelise là-dessus, sur cette peur et la division, et c'est une voix assez forte en ce moment. Donc, je crois que nous avons, j'espère que notre rapport peut contribuer à aider cette ancienne voix et définir les orientations à venir. Merci à vous tous, et cela résonne. Beaucoup avec le faire à travers la collaboration. Mais donc nous avons une question comment est-ce que les jeunes chercheurs peuvent contrer cet négatif, euh, discours négatif de raconter une histoire juste pour se faire publier Quels sont des alternatives pour euh, des jeunes académiques, des jeunes chercheurs la réaction d'instinct, c'est que les scolaires, les académiques ne doivent pas faire c est, c est cette question. C'est aux chercheurs seniors qui siègent dans les comités d'éducation, au conseil des TRI, euh, qui siègent sur la tenure, qui et qui donnent, contribuent à l'examen par les pairs. C'est à nous de le faire. Pensez au protocole, protocole qu'on va expliquer. Quand on pense à qu'est-ce qui compte comme un travail important et valable, est-ce que ça ne devrait pas tomber sur les épaules des jeunes chercheurs de faire ce grand travail, hein, de, de soulèvement de travail vers le changement culturel C'est quelque chose sur lequel ils devraient euh, euh, Contenté de profiter des avantages cela devrait être le travail acharné de changer la culture universitaire ce qui n'est pas facile hein? et donc c'est ma, ma réaction euh, instinctive l'autre chose que je pense que nous pouvons faire c'est d'appeler l'attention sur la rhétorique quand nous demande de participer euh, auquel on nous demande de participer pour réellement euh, Comment nous racontons l'histoire de notre travail? Peut-être vous attendez que je dise quelque chose ainsi, parce que c'est comme ça, c'est le normal. Mais moi, je vais faire quelque chose un peu différent. Je vais mettre un, 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 une lumière sur euh, autre chose. Donc, c'est une autre stratégie, je crois, sur euh, une discipline utilisée. Par exemple, j'adore une histoire que l'innovation, ça veut dire « newfangling ». C'est un mot sans sens. Ça veut dire simplement « nouveau ». Et je crois que nous devons dire que c'est bullshit, c'est pas vrai. Hein. Ce part de jargon fait partie de la culture académique et ça nous mène plus loin ça nous éloigne la productivité et la précision et un vrai engagement. Je suis totalement, euh, je fais complètement écho à ce que Julia dit, hein. c'est le poids du fardeau ne devrait pas concerner les chercheurs en début de carrière. Et cela devrait être sur les épaules de ceux qui font l'examen par les pairs, l'évaluation, et c'est à propos des gens qui ont obtenu une promotion une euh, euh, tenure pour vraiment commencer à changer la culture qui devient de plus en plus insoutenable. On ne peut pas être notre propre publiciste, on ne peut pas être en même temps notre propre chercheur et en même temps notre tout dans l'équipe en même temps. Il n'y a qu'une seule chose que je ferai. Il y a une seule chose que je dirais 24 heures dans une journée de 28 heures de travail. Et c'est quelque chose que nous, doivent, nous devons vraiment travailler en tant qu'universitaires. Ainsi qu'à les universités, mais je pense qu'aussi pour les chercheurs en début de carrière, il y a beaucoup de façons différentes euh, de reconnaître que vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses-là hein, et que même bien qu'il y ait une perception que vous devez les faire tous, il n'est pas nécessaire que de les faire tous et faire les choses qui vous, tien que vous tiennent à cœur et qui vous passionnent et ça c'est la meilleure façon d'acheminement euh, pour avancer. Hein. Amanda, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez rajouter? Non, je réfléchis. Je ne suis pas euh, très loin de ce que, euh, en début de ma carrière académique. Et je, à ce moment-là, j'avais la chance de faire de la recherche dans une zone. Où il y avait beaucoup d'intérêt par le gouvernement avec les gens qui faisaient le type de recherche que je faisais. Et à partir de cela, je, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de façons sous le radar qu'on puisse faire un engagement, engagement public. Il faut que je en pense euh, vraiment à ceux qui en dit Howard et Julia. C'est à ceux qui sont plus seigneurs qu'on en cherche, là, je dans les applications. C'est pas juste s'ils ont un blog ou un podcast. Ce sont des... Le son n'est pas bon, désolé, c'est l'interprète qui dit, ça coupe. Rencontrer des décideurs politiques... Et ce genre d'activité, ce n'est pas nécessairement tu, vous le mettre sous le feu de la rampe, de même manière que certaines de ces plateformes en ligne font, mais nous devons euh, privilégier ces autres façons de s'engager. Ce que même s'il ne va pas commencer une, une mini-série sur Netflix ou autre. Hein. Merci. Donc, nous avons aussi une question de la part de Debbie Martin. Elle écrit. J'apprécie la discussion sur le besoin croissant de rendre la recherche... Euh euh, clickbait euh, digne. Mais avec ce besoin de se faire la recherche immédiate en temps opportun, nous perdons la capacité à réfléchir de manière approfondie et critique. Ce qui m'inquiète, c'est que nous soyons, euh, nous avons développé un congé les universitaires à, de, de, à devenir des influenceurs de réseaux sociaux au lieu de contribuer réellement à la recherche dans une manière significative, puis en utilisant leurs euh, adeptes pour écarter toute critique de leur travail. Juste un commentaire que j'aimerais entendre des panélistes. Euh, sur lesquels j'aimerais entendre les, les panélistes. Je sais que vous avez adressé un rapport aux commentaires, mais peut-être une réponse. Je peux commenter. Je crois que, en partie, on ne veut pas euh, survaluer le problème. Je pense qu'il y a beaucoup d'universitaires qui seraient tout à fait d'accord avec euh, l'évaluation des débits, ce que les réseaux sociaux peuvent offrir à, à la recherche. Et est-ce que vous êtes punis dans la carrière pour ne pas faire un engagement à travers cela Pas nécessairement. Probablement, les départements dépensent le plus souvent et de savoir combien vous êtes dans votre, euh, les citations sur vos articles, hein. Donc, c'est facile de s'éloigner un peu et peut-être c'est juste que ce qu'il faut faire de plus en plus, hein. Je suis impressionné quand je rencontre une universitaire qui me dit, ouais, ouais, mais non, je, ça ne m'intéresse pas du tout faire cela sur Twitter. Et de l'autre part, en sachant qu'il y a des espaces pour certains de ces outils pour être utiles. Encore une fois, pour faire référence à mon propre travail, je veux dire que je trouve qu'être impliqué parce que la communauté des personnes avec qui je m'engage sur des réseaux sociaux sont en grande partie des fonctionnaires qui sont intéressés par des sujets assez spécialisés comme le, la gouvernance des données et comment le système Westminster peut être mis à jour. C'est assez collaboratif et j'apprends beaucoup hein, par le biais de ces réseaux. Donc, il y a un côté plus rosé, plus rose de l'histoire. Vous devez juste trouver votre communauté et ensuite peut-être éviter les trolls autant que possible. Mais je pense qu'aussi euh, faire plus de ainsi, c'est totalement euh, de se retirer de plus en plus. Ça va, ça va aller. Hein. Et je crois qu'en partie... Pour ajouter à ce que disait Amanda, c'est pour nous euh, nous devons aussi reconnaître qu'il y a un espace pour différents rythmes ou débits de recherche et différents rythmes d'engagement et que nous pouvons valoriser le travail engagé euh, dans la communauté qui prend des années à se développer à développer. Hein des relations et des partenariats, et que nous ne devrions pas nous attendre à ce que ce qu'ils ont le même rythme qu'une réaction rapide. Et je pense que c'est important pour nous aussi euh, d'être en mesure de mieux articuler les différentes euh, publics et auxquels nous nous adressons et des différentes parties du cycle de recherche dans lesquelles on pourrait les engager. Donc tu, euh, on sait très bien, c'est le genre de, de point qu'Amanda a soulevé. Et parler avec des parents, euh, euh, la comité des parents des, des étudiants, ça c'est un engagement public, euh, public très significatif et une réponse très différente à de, euh, de guerre autour des réseaux sociaux. Et l'autre chose qui est vraiment important, c'est d'être public et partager leurs expériences. Et c'est quelque chose que je pense vraiment que c'était très important avec notre rapport. Il est difficile de le trouver et on peut se sentir très isolé. Hein. Si tu ne, on ne se rend pas compte que le problème à quel niveau le problème est généralisé peut-être je me trompe en disant cela mais quand j'ai senti que j'étais la seule personne à recevoir des lettres de haine je me suis senti très ciblé et seul mais quand j'ai découvert qu'il parlait d'autres personnes euh, ça j'ai découvert que ça existait et je me suis dit mais je suis content que ce n'est juste que moi mais ensuite je me suis senti vraiment concerné parce que attendez une seconde si ça va il faut avoir si ça se passe autant que ça il faut avoir de meilleurs systèmes afin de l'aborder donc il y a des points différents autour de, de l'audience du public reconnaître un rythme plus lent et acceptable et aussi la reconnaissance d'un système plus ouvert et une reconnaissance transparente que nous c'est tout pas par magie qu'on euh, sorte euh, des, des engagements sur les réseaux sociaux ou créer une série Netflix et en même temps, on va avoir un euh, article de haut, oh, fort impact de recherche. Il ne faut pas faire tout ça en même temps. Je vais pousser sur cette idée de public un peu parce que la question, ça me rappelle une expérience que j'ai eue euh, en ét étudiant. J'étais à une conférence très grande, il y avait une présentation et l'organisateur de la conférence de littérature avait décidé d'ouvrir la discussion de en évitant un historien pour nous parler. Et l'historien a tenté de parler des, des romans, mais il parlait euh, comme une histoire et pas comme un euh, académique de l'histoire euh, de littérature. Et c'était intéressant et euh, c'était des différences disciplinaires qui étaient soulevées, intéressant. Mais l'un des seniors, des universitaires seniors, s'est mis debout. Dans la littérature, l'étude de littérature, on ne fait pas ainsi. Dans l'étude de littérature, on ne dit pas les choses ainsi. Et on apporte ce type de preuve Et il a passé à peu près dix minutes à critiquer cet historien très généreux, comme tout ce qu'il avait fait était mauvais, et dans, au, au regard, dans les yeux de, 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 de l'universitaire. Et comme nous étions en personne, tout le monde a passé un moment d'horreur partagée. On a passé les trois jours suivants de parler comme tel mauvais comportement et comme quand quelqu'un tente d'être généreux et surtout quand on tente d'être généreux, mais toujours être généreux avec d'autres euh, universitaires. Quelqu'un de prendre une position en, en écrasant l'autre. C'est ça qu'on a vu et on a apprécié, apprécié pour ce que c'était et on, mais on pouvait en discuter. Le problème avec un pylon de Twitter, c'est qu'on ne voit pas la réponse ou les réponses ou les réactions des autres. Le plus qu'on peut faire sur Twitter, si c'est une zone de votre expertise, vous pourriez intervenir en disant, euh, attendez un instant, ce n'est pas juste. Mais si vous n'êtes pas expert et vous voyez le pylon, hein, euh, euh, et l'autre chose, la meilleure chose à ne pas faire, c'est de ne pas l'amplifier. Et ce n'est pas vraiment cette idée de horreur partagée qui est une façon d'apprendre comment se comporter et comment ne pas se comporter quand on était en personne. Et c'est un vrai aspect de la pandémie. On a perdu ce genre de... Euh, réseau de soutien entre pairs et ce sens d'un comportement civil. On parle des décennies maintenant, euh, des bulles des numériques et que les gens sont isolés euh, les uns des autres euh, en réagissant à travers des, des réseaux de l'Internet. Et on parle sur de la, la, la réviseur numéro 2 qui est tellement rude et grossier. Parce qu'ils sont anonymes. Et ça, 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 ça euh, c'est amplifié à travers des réseaux sociaux parce qu'on on a une interaction entre les réseaux sociaux. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important de parler, discuter de ce genre d'être grossier et être des lecteurs généreux. Et peut-être vous voulez être connu sur les réseaux sociaux, d'être un souteneur au lieu d'être l'idiot qui arrive en disant écoutez à moi, personne d'autre, écoutez-moi, personne d'autre est important. L'un des fils de nos euh, des notes de préfages, c'est une note pour que les universitaires soient plus conscients de ce qu'ils font quand ils sont en train de, de s'engager dans le public. Et je crois que c'est quelque chose que nous pourrions tous euh, faire plus. Merci. Et donc, je vais changer... Euh, les deux, euh, deux thèmes et mettre les deux questions ensemble parce que je sais qu'en écrivant le, la note de brefage, on s'occupait vraiment sur les types, différents types d'experts et que comme c'est certains types, euh, se, on fait face à, à plus de harcèlement que d'autres. Et on peut en penser à travers de tout cela. Caroline, je regarde si ça fait des, un travail fantastique sur les types de harcèlement que les journalistes se trouvent, euh, rencontrent. Mais euh, il faut penser, il y a les types de har harcèlement sur le genre, euh, peu importe de ce qu'on parle, et après, il y a des, euh, des harcèlements qui sont spécifiques dans leurs réponses. Voulez-vous en parler un peu sur les groupes d'experts spécifiques qui se confrontent à plus de harcèlement que les autres, et à quoi on devrait penser sur un type de réponse Moi, je, je jette, je me lance. C'est vrai, on voit beaucoup avec les formes de harcèlement sur les universitaires. Quelqu'un qui parle explicitement sur des questions de féminisme va recevoir de types de menaces très spécifiques. Et c'est vraiment de façon sur ce sujet, euh, de, de façon assez euh, préoccupante. Hein? Et c'est quelque chose qu'on explique ou on, on aborde dans le, la note de brefage. Il y a un point de vue général que quand on parle en tant qu'expert, nous donnons notre avis personnel. Et c'est donc euh, enraciné dans notre expérience personnelle d'une certaine façon. Et on utilise cela pour de discréditer les expertises qui sont liées à certaines identités. En particulier, disons les femmes, par exemple. Et je crois que ça, c'est de la confusion fondamentale à laquelle il faut aborder, mais c'est aussi un, un... On a une fallacie logique qui s'appelle ad hominem, qu'on attaque la personne et pas les déclarations ou, énonciations, euh, ou les énoncés. Et l'attaque sur les chercheurs tombe dans cette catégorie parce qu'on se tourne envers la personne et on tente de discréditer la personne. Au lieu de vraiment discréditer l'argument, on s'éloigne totalement. D'un type de discussion basée sur des preuves rationnelles et équilibrées. Parce que peut-être vous allez changer votre avis, mais vous n'allez pas changer qui vous êtes dans la même façon. Donc, je crois que c'est là où ce genre de problème rentre. Il y a cette façon rapide de dire vous ne dites pas cela parce que vous avez trois diplômes et que vous étudiez cela comme universitaire et vous avez cinq euh, euh, bouquin que vous avez écrit. Donc, euh, vous dites ça parce que vous êtes X. Et les journalistes se confrontent au même problème dans leur zone d'expertise aussi et les sujets euh, pour lesquels ils sont responsables. Et c'est des causes qu'on voit dans les, les, cycles, les cercles universitaires, mais c'est vraiment un signe du problème. <coughs> et bien évidemment, c'est propulsé par le problème que vous avez commencé, Julia. Hein? parce qu'on nous dit de personnaliser nos, nos recherches et d'insérer notre propre euh, narratif. <coughs> Mes parents étaient immigrés, je suis là en 5, c'est pour ça que j'étudie les petites entreprises dans le Chinatown. Ça vendrait, hein. Parce que certains financements, ils veulent que vous fassiez, fassiez cela sur votre expérience, et en partie, c'est vrai, il y a un peu d'honnêteté là-dedans. Et en reconnaissant notre subjectivité dans notre travail, c'est bien, mais plus qu'on tente de propulser ces récits personnels de la recherche dans une lutte personnelle, plus qu'on donne un crédit à ces critiques en, dit, critique en disant « il y a un Cooper dans le sang de l'Internet, désolé, que vous représentez tout un groupe ». Et donc, c'est peut-être pour cela, j'aime bien que la note de préfège part de cela. Il faut avoir une conversation franche euh, à travers des institutions. Qu'est-ce qu'on cherche en vrai avec ce type d'engagement Parce que si vous voulez une histoire ou un type de raconter une histoire très personnelle, ce n'est pas euh, de quoi il s'agit, euh, la recherche euh, universitaire, et ça crée beaucoup de problèmes. Je peux rajouter peut-être que c'est aussi bien pour les universités et les universitaires à reconnaître qu'on vit dans un monde misogyne et raciste et c'est systémique en plus. Donc on ne peut pas attendre que dans notre engagement, on va pas se trouver en face de cela. Donc en partie, la solution va être de recon reconnaître les enjeux qui se présentent par rapport au récit personnel et les attributs personnels, mais aussi reconnaître qu'il y a des problèmes systémiques en tant que les universités euh, déclarent de, de chercher l'excellence et la diversité et l'inclusion. C'est aussi de penser comment cela euh, se déroule dans notre engagement public en termes de nos réseaux sociaux ainsi que nos classes et nos cours et tous les choses et engagements que nous réalisons. Merci. Donc je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Et ça vient d'un participant anonyme qui dit, comme un médecin public, j'ai regardé médecins dans la pandémie sans aucun type de formation dans la santé publique qui deviennent des experts médicaux, entre guillemets, qui s'est confondu confusé les messages en change de la science vers les soundbites. De mon point de vue, notre défi plus grand est interne sur la gestion de, des égaux. Pouvez-vous commenter sur l'engagement dans les réseaux sociaux et comment cela érode euh, l'autorité des institutions Je crois que c'est un épée à deux, à deux lames. Euh, les, les universitaires sont à une à croisade de, de rue dans le débat. On perd aussi notre pertinence. Et notre capacité d'offrir une perspective importante. Malheureusement, on nous demande souvent de commenter sur les choses en temps réel et cela, le cycle de, des actualités euh, est, euh, accélère très rapidement et les journalistes commencent à téléphoner les gens hein, entre 10h et 1h l'après-midi euh, en cherchant désespérément euh, des soundbites. Et c'est là où c'est équilibré de dire, savoir quand est-ce qu'il faut dire non et en disant ⁇ Oh non, je connais quelqu'un dans l'autre fuseau d'horaire et tu commences à faire marcher le réseau ⁇ et comme Julia disait, il y a un rôle aussi à ne pas amplifier et ensuite il y a un rôle à l'amplifier. Et la meilleure chose à faire, si vous ne pouvez pas faire l'entretien, vous dites non, mais tentez de viser cela vers les gens. Euh, euh, acheminer cela vers les gens qui ont une crédibilité et n'ayez pas peur de les choses euh, qui sont... et n'ayez pas peur de dire non à certaines choses qui sont un peu trop, très, trop éloignées de votre spécialité. Je serais d'accord avec ça, cela. C'est très important et l'une des choses d'être conscient, hein, c'est que les médias, les hit-médias ne sont pas euh, révisés par les pairs. Tout, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut dire avoir un clip qui est recoupé hein, au moment où euh, tout le contexte est perdu, euh, son intention, et les choses peuvent être euh, construites euh, dans des différences assez dangereuses. Euh, donc, on a vu cette, ce débat public intéressant. Lorsque la science a évolué et s'est adaptée, il y a des réponses différentes politiques. Hein. Un qui est un peu fascinant du point de vue historique euh, sur les deux dents, c'est la diversité dans la réponse des provinces à la pandémie. Et techniquement, ils dépendent de la science, mais ils prennent chacun des approches différentes. Une question de, de la caution qu'ils voulaient avoir, quand, quand j'entends deux médecins qui donnent leur avis sur les actualités, mon instinct est de à, suivre les conseils de celui qui est plus... Euh, euh, s'il est... y a un qui dit Oh, pas de problème, vous pouvez enlever le masque, pas de problème, tout, va... tout le monde est vacciné. Et l'autre qui dit, Bah, peut-être vous allez garder le masque dans les lieux publics peuplés. Moi, je vais cela parce que cette personne a l'air sur la caution. En pensant comme communauté académique, comment nous engageons avec les médias et quelles sont, les ba... quelles sont nos barrières éthiques et qu'est-ce qu'on fait? quand un, la représentation médiatique euh, va hors de contrôle et ce n'est pas le meilleur qu'on puisse faire. Mais aussi, encourager les, peuples, les personnes qui regardent ces médias de penser de façon critique et de prendre leurs propres décisions. Et fondamentalement, hein, si vous avez une question d'ordre médic, médical sérieuse, ne, pas prenez, ne prenez pas votre réponse des actualités. Hein. Je, on a un manque dans les médecins. Dans ce pays mais si j'avais une question sur ma santé moi je me présenterais un ma médecin de famille et je crois qu'il faut aussi le, 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 le manque des médecins nous a poussé tous en ligne en cherchant des lignes des, des informations euh, des actualités mais je crois qu'il faut euh, repousser cela et penser comme pays de l'importance d'avoir un système de santé efficace et disponible pas seulement pour la santé du public général, mais aussi pour repousser des, des informations, des imprécisions dans les médias et tout le reste. Donc, je crois qu'une autre réflexion académique est importante, mais je crois qu'il y a d'autres choses que ce genre de frenzy médiatique. Ça a aidé à, à, à déturer le système. Peut-être la dernière chose à rajouter, c'est que je crois que cette question est géniale parce que cela identifie que. Beaucoup que notre note est sur la protection des experts et des chercheurs. Il y a beaucoup de choses que les chercheurs doivent faire afin d'être des stewards responsables de leur recherche et en tant que des spokespersons, des porte-paroles responsables de rester dans votre propre voie. Hein. Il y a des coupeurs toujours dans l'Internet, c'est l'interprète qui parle. Donc, les journalistes sont occupés et vont être préparés à faire des commentaires sur n'importe quoi. Donc c'est vous de regarder votre ego et de vérifier. Mais ça, c'est des autres facteurs qu'on n'a pas autant discuté. Mais les médias en tant que est un, sont des communicateurs importants et des acteurs dans les informations et dans la lutte contre la désinformation. Et le, les, le, le rapport offre quelques idées, mais il faut faire plus de travail sur comment construire un écosystème médiatique plus robuste qui peut euh, prendre des experts, euh, des académiques euh, de façon responsable et sans, quand il faut ne pas le faire. Merci pour vos excellentes réponses à cette question et pour, à beaucoup de questions. J je crains que on, le temps euh, nous presse et nous termine. Et donc, de la part de la Société Royale du Canada, je veux remercier le, publi remercier, remercier le public ainsi que les panélistes, Dr Clark, Dr Ramos et Dr Wright. Je vous invite à tous de visiter la Société Royale du Canada, le site Web, afin de trouver le, le rapport complet et d'autres informations et ressources sur le COVID-19. Et aussi, je vous invite à vous joindre à la conversation sur Twitter en, en suivant at Capital RSC Capital A Academies. Et si vous avez d'autres questions supplémentaires, veuillez nous envoyer par courriel à events at RSC, src.ca Ça c'est events -at -r -c -point -c Merci à tous. Merci.